Bonsoir. Buenas tardes a todas y todos. Y, hoy tenemos con, en el museo a dos mujeres cuyo trabajo y cuya trayectoria es muy importante en el ámbito marroquí. Se oye como un eco, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. Fatna El Bouy es escritora, socióloga y militante activista y feminista. Y Amina Benbouchta es una artista, ambas viven en Casablanca. Vamos a iniciar primero la conversación con Fatna El Bouy, que va a hacer una lectura de su libro, Une femme nommée Rachid. Va a hacer la lectura en árabe de un fragmento. Y tengo el gusto de presentarles a Fatna El Bouy, que es una militante activista y una de las, desgraciadamente, pioneras de Canas, de las presas políticas en Marruecos en los años de plomo del rey Hassan II. Es además también una de las pioneras, de las grandes pioneras del feminismo en Marruecos junto con Fátima Mernissi. A los 18 años de edad fue condenada por sus vínculos con el movimiento marxista y por atentar contra la seguridad del Estado durante los oscuros años de plomo. Permaneció 5 años detenida en diversas prisiones marroquíes, donde fue torturada y fue víctima de desaparición forzada. Es decir, su desaparición cayó en el silencio durante largo tiempo. Y a lo largo de este tiempo, esta resistencia en las cárceles consiguió terminar su licenciatura en sociología. Y tras salir en 1982 de la cárcel, trabajó como profesora de educación superior y continuó luchando por defender los derechos humanos. Ha sido fundadora de uno de los primeros centros de escucha para mujeres víctimas de la violencia y participó a sí misma en la creación, en la creación del Observatorio Marroquí de Prisiones y en el Foro Verdad y Justicia. Su lucha está centrada en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la integración de las reclusas y reclusos en la sociedad y en la abolición de la pena de muerte en Marruecos. Fatna, al salir de prisión, escribió un libro titulado Une femme nommée Rachid, que en inglés escribió en árabe y se tradujo al francés como Une femme nommée Rachid, una mujer llamada Rachid, que es un nombre masculino, y en inglés se tituló Talk of Darkness, que es como conversación en la oscuridad. Y lo que en ella narra su propia experiencia en las cárceles de Marruecos y su colaboración también, ha hecho diversas colaboraciones también en reflexiones sobre la violencia de los jóvenes. Cuando yo entré en contacto con Fátima Mernissi, ella me habló de Fatna El Bouy y me impactó mucho conocer el título de su libro, Una mujer llamada Rachid, es como una mujer llamada Pablo. Entonces, escribí a Fatna, también estuve investigando sobre ella, sobre el libro, y sobre el hecho de que una mujer fuera ingresada en una cárcel dándole el registro de un nombre masculino. Y después supimos que se solía hacer así para silenciar socialmente y políticamente que las mujeres ingresaban en prisión, por una parte porque no se podía admitir en una sociedad patriarcal que las mujeres se dedicaran a actividades políticas y podía ser un mal ejemplo para otras mujeres, digamos, entre comillas, que tenían que guardar el ámbito doméstico,
Y por otra, también para silenciar, por supuesto, que no hubiera un escándalo internacional, que las mujeres entraban en prisión, eran torturadas, pero también es, forma parte del silencio en que durante siglos y siglos las mujeres hemos sido silenciadas como, como sujetos de poder. Es decir, una mujer que es un sujeto de poder que se manifiesta públicamente y que forma parte de grupos políticos, que pide justicia, libertad, y esto no, no se puede producir, ¿no? Y es la negación del espacio público y político para las mujeres, mientras que los hombres, pues, que han hecho las mismas acciones, han sido siempre los héroes y las mujeres han sido las víctimas, ¿no? La vida de Fatnal Bowie demuestra que la mujer nunca es una víctima, sino que tiene un poder inmenso de resistencia y ha podido resistir todas esas terribles experiencias, vivir con ese trauma en la memoria y al mismo tiempo transformarlo en la ayuda a otras personas que están en esta situación. Fatna va a leer un fragmento, unas páginas en árabe, del libro Una mujer llamada Rashid. Va a leer en árabe, entonces nos tenemos que poner, tenemos que escuchar la traducción, bien en castellano o en euskera. Merci beaucoup pour être avec nous, Fatna. Nous sommes ravis de votre présence et remerciants aussi. Et maintenant, nous allons passer à la lecture et puis on peut faire un dialogue avec le public. Et puis nous parlons aussi avec Amina sur son travail et son œuvre dans l'exposition. Si vous voulez commencer. Merci beaucoup, Piedad. Je suis très touchée par votre présentation. Je reviendrai sur ce que vous avez dit après la lecture. الدرب أو حديث المواجع. شمس وصفاء وماء وهواء. فضاء ممتع يذكرني بمتعة فضاء الحمام الذي تمتعت به في نفس اليوم في الصباح الباكر. لا علاقة للعالمين ببعضهما البعض، عالم الحمام وعالم وادي أبي رقراق، ومع ذلك فكلاهما يبعث على الحلم. الأول يشحنك بطاقة قوية تبعث فيك التجدد، سحب بخاره الكثيف تتقاذفك بين عوالم مختلفة تخلصك منها مياهه المتدفقة، لا تطهر جسدك فقط ولكن روحك أيضا، فتشعر بالبعث والتجدد. لذلك كان الحمام تصالحا مع الجسد وبالتالي مع الروح أيضا. أما الثاني فلا إطار له، يعجبني فيه هذا الأفق اللامتناهي، رحابة هذا الكون على إيقاع المجداف، شعور عارم بالحرية بعيدا عن الضوضاء والبشر والقيود، فتسبح في الحلم، والحلم أساسي بالنسبة للذين لا يتوفرون على السلطة. ومع ذلك ينتابني شعور غريب بالخوف يعكر علي صفو أحلامي، ولعل مصدر هذا الإحساس الغريب نابع من خوفي من تحويل اتجاه المركب من طرف هذا الرجل القوي البنية الذي صبر أهوال وأغوال البحار ويستطيع بجرة مجداف أن يحول اتجاه المركب ويختطفني. En train de traduire. D'accord, d'accord, j'ai compris. استحضرت في هذه اللحظة
بالذات ما كان يقوله والدي حينما كنت أستيقظ مرعوبة من الكوابيس التي كانت تداهمني وأنا بعد صبية. من تلك الحكايات الكثيرة من ألف ليلة وليلة التي كان يتحفنا بها والدي ليلا كلما كان مزاجه رائقا، حكايات الاختطاف والسبي التي كانت تتعرض لها النساء والفتيات، كان والدي يقول: تلك حكايات وقعت في القرون الماضية، ولم يكن يخطر ببال والدي أن هذا يمكن أن يحدث أيضا في عصرنا الحالي. أيقظني رسوب المركب على اليابسة من أحلامي، لقد وصلت الشط بأمان، وما زالت رائحة العطر المندسة في جسدي تؤكد لي أناقتي والرغبة المسيطرة علي في التجدد، وتصلني بأحلام واعدة في المستقبل. كانت الساعة تشير إلى الساعة الثالثة بعد الزوال حين طرقت باب منزل صديقتي بحي المحيط بالرباط، وقد فوجئت بالباب يفتح بسرعة لتجذبني عبر الفتحة يد غريبة وبقوة إلى الداخل. هرب صديقي الذي كان يرافقني حين شعر أن المنزل محتل، فلاحقه أحدهم انطلق كالسهم وراءه، ثم عاد به بعد أن مزق ثيابه. لقد طارده وأطلق النار لإيقافه، كادت الرصاصة أن تصيب ساقه. كان مسعورين، رجلين بزي مدني، لكنهما مسلحان، أحدهما يشد سلاحه نحو خصره، والثاني أشهر سلاحه في وجهه مرتين، كان يخفيه تحت إبطه. كانت هذه بداية حكاية الاختطاف التي ستدوم 5 سنوات، والتي تشبه بعد فصولها حكايات ألف ليلة وليلة، والتي ما كان يخطر ببال والدي أن ابنته الحبيبة قد تتعرض لها في يوم من الأيام. المكان، لا مكان، فهو عبارة عن كلوار طويل تقابله 3 غرف خالية من أي تجهيز يؤتتها المعتقلون، عفواً المختطفون، فكل هؤلاء لم يصدر في حق أي منهم أمر بالاعتقال. يمدون أرجلاً أثخنتها الجراح وأيادي مقيدة. التحقت بهم بعد 2 يوم من اختطافي وحبسي بكوميسارية بلاس بيتري بالرباط، والتحقيق معي باعتباري عنصراً خطيراً، وقد صدرت في الحين أوامر بعزلي ومنعي من الاتصال. كانوا جميعهم رجالاً، المختطفون رجال، وقد كانوا يحتلون منزل خديجة زميلتي في الكلية. خيل إلي أنني في فيلم سينمائي، لكن أحدهم بدد هذه السحابة بسرعة حين أخضعني لتفتيش دقيق بعد أن صفعني بقوة قائلا: أنتم أجبكم لهادشي؟ بقيت لي غير نتوما من الحساب. أجبته أنا لا أفهم ما هو هذا الشيء الذي يتحدث عنه، ولا من هؤلاء. لقد جئت لأذاكر مع صاحبة البيت لأن الامتحانات على الأبواب. أجابني مسعورا: يشدك جن ذكري إن شاء الله، أنتم خصكم العافية تحقكم، أنتم تتآمرون لا تتذاكرون. شعرت بخوف شديد وأنا أسمع هذا التهديد والوعيد، ولم أدر من هؤلاء. كان الثاني يهشم ضلوع صديقي بعصا غليظة دون رحمة ولا شفقة. لقد فضحهم في الحي بهروبه ونبه الجيران بإطلاق الرصاص. كان المنزل مليئا بالدراجات النارية التي اعتقل أصحابها بنفس الطريقة. كل شيء في المنزل كان قد قلب رأسا على عقب. أمطراني بوابل من الأسئلة، كان يلهتان كالكلاب المسعورة: من تكونين؟ ما اسمك؟ لماذا أنت هنا؟ ما علاقتك بهذا الذي معك؟ ما عنوانك؟ أين تدرسين؟ من أصدقائك؟ من زعيمكم؟ شعرت أن منزل صديقتي تحول إلى مخفر للشرطة، وفهمت أنني بين زوار الليل. لحظات من الصمت قطع أزيز سيارة توقفت قرب باب المنزل. ارتعدت فرائسي، ترى من الزائر. أمرنا بالتزام الصمت والهدوء، ثم اقتادنا أحد الحارسين إلى السيارة في سرية تامة. والغريب في الأمر أن السيارة كانت دون سائق. أين اختفى وكيف؟ نقلنا إذن في سرية تامة، إذا أقبرنا فعلينا السلام. المحققون أيضا كانوا رجالا، فهمت من أسئلتهم أنني متهمة بأفعال خطيرة، وأنني كانت كطالبة كان يجدر بي أن أتابع دراستي وأدخل سوق راسي، ولكني حسب ادعائهم دخلت أسواقا أخرى وأنه ينتظرني حساب أعسر. أحالوني على زنزانة منفردة بعد قذفي بأبشع النفعوت، وما أغنى قاموسهم في هذا المجال. لم تنج والدتي من حظها في ذلك،
فقد اكتشفت في ذلك اليوم المشؤوم أنني زانية بنت زانية، بغية بنت بغية، قاف بنت قاف. لقد كان تواجد رجل معي إلى جانبي مدعاة لتشويه سمعتي والنيل من كرامتي، إذ الأخلاق تقتضي أن أهتم بدراستي وبسقراسي. كانوا يكررون هذا وبكثرة أثناء التحقيق. في الزنزانة المفردة لم أميز بين الليل والنهار إلا حينما فتحوا علي الباب. كان الوقت صباحا وكانوا على عجل، وضعوا على عيني عصابة واقتادوني عبر سيارة تمشي بسرعة الريح. لم أكن وحيدة، أدركت ذلك حين رموني مثل كبش داخل السيارة. ذلك أن غياب المقاعد بها جعلني أتدحرج في كل الاتجاهات وأصدم أحيانا بكائن حي لعله كلا يلقى نفس المصير. وصلنا بعد بضع ساعات إلى الوجهة التي لم يكن لي بها سابق معرفة. لم أستشر ولم أتخذ قرارا. تذكرت ما قرأته عن كارسير ديرو الذي يضيف إلى الأشغال الشاقة ربط رجلين بالسلاسل والنوم فوق الإسمنت العاري وطعام يتكون من كسرة خبز وماء. لم يكن لدي الوقت الكافي لإلقاء نظرة وداع أخيرة على العالم، ولم يكن لدي أي تصور عن هذه الحفرة التي ستبتلعني وستغلق علي. هل ستفتح ذات يوم لأرى النور من جديد؟ لم أكن أدرك أن ما كان يختفي وراء هذا الجدار هو الغموض، ولكن حيرتي لم تطل. لقد بددها استقبالي من طرف مسؤول كبير يبدو من لهجته أنه حانق علي وأنه يعرفني حق المعرفة. هذه الزعيمة الفوضى إيوات بورتسي علينا في يمتلسي شوقي، هنا غادي تسالي لك الزعامة، هنا ما كاين لا سما مغيومة ولا فطنة المظلومة. كان يشير إلى شعارات رفعها التلاميذ والتلميذات إثر اعتقال تعسفي تعرضت له أنا تلميذة بثانوية شوقي وحملة التضامن التي نسجها هؤلاء عبر أنحاء الوطن بهذا الصدد. هنا عمرك ما غتشوفي السماء، هنا إلى هزيتي الباندا نمحيك، وإلى تكلمتي نقطع لك اللسان، ديوها فين تربى. كان هذا الرجل هو المعلم اللي يصفق الدور. لم أصدق أنني أمام رجل مسؤول ورئيس ومعلم وصاحب سلطة وشأن. يا إلهي، لمن تفوض السلطة في هذا البلد؟ أعطوني رقما واسما. أنت من الآن اسمك رشيد، ما تحركي ما تكلمي إلا إذا سمعتي اسمك، يعني رشيد. كانت هذه بداية محو الهوية، الاختطاف والاعتقال التعسفي، ثم محو الأنوثة بالتعامل معي كرجل. لقد أصبحت في عرفهم رجلا سموه رشيد. جلست فوق كاشة بعد أن جرت من كل ما أملك. يجب القول، أمرني بالجلوس، فكل شيء يتم بأمرهم. لقد أفهمني معلم آخر ربما كان أصغر من الأول بأن كل حركة وسكن أقوم بها يجب أن تكون بأمر. حين ساد الصمت مددت يدي أتحسس بعد المكان. بعدما علمت أنني ممنوعة من بعد النظر جلت بيدي من حوالي، فإذا بقطعة خبز يابس تتقدم إلي. شعرت بالدفء لأنني لم أذق أكلا منذ يومين، ولكني سمعت صوتا صرخ فجأة. لم أتمكن من تحديد وجهته، فأنا لم أستأنس بعد بالمكان. حط الخبز. قفزت من مكاني، تجمد الدم في عروقي وفهمت أنني مراقبة وأن المكان أيضا محدود. الحارس أيضا لم يتعود على نعتي الجديد، فقد زجرني بصيغة المؤنث. شعرت بخطوات تقترب مني وتصرخ في وجهي، اجلسي في مكانك، وإن أردت شيئا فاطلبيه من هؤلاء الحجاج. يا إلهي، أين أنا وكيف حج هؤلاء ومن هم؟ الزمان لا زمان، لا فرق بين الليل والنهار، كل شيء متشابه، حتى التعذيب لا زمن له، فهو موجود هنا في كل وقت وبكل الأشكال والألوان. ليس هناك تمييز بين الأوقات ولا بين الجنسين، لا فرق لديهم. كانوا يهدفون إلى تدمير الذات والروح من خلال الجسد، سواء كانت هذه الذات ذكرا أو أنثى. لقد سافرنا جميعا في الطائرة وحلقنا في فضاء الموت حين وضع التيار الكهربائي تحت الأظافر، وتعرفنا على الفلقة وهي بأشد الاختصار مرحلة تالي التعليق، أو على الأصح التعلاق بلغة الدرب. قلت إذن جلد بالسياط على الرجلين بعد أن يتم شدهما جيدا بحبل ويكون صاحبهما في أسفل سافلين. ذلك أن ركوب الطائرة المتحدث عنها لا يكون في اتجاه الصعود ولكنه صلب على الطريقة المغربية. ذلك أن البشر يتحول إلى كبش أو دجاجة فوق النار، لكن نارهم تكون سياطا على القدمين في البدء ثم تشمل بقية أطراف الجسد.
القدمان إلى أعلى والرأس إلى أسفل ويستمر الجلد بالسياط والسؤال عن الأفعال والأقوال واللقاءات أنت موضوع البحث فيها وتلك هي الفلقة أو على الأقل هذه حدود معرفتي بها لأنني لحسن حظي أو لسوءه كنت أفقد الوعي مباشرة بعد الضربات الأولى ولا أدري ماذا يحدث بعد ذلك وقلت لسوءه لأن ذلك يتطلب منهم تكرار العملية عدة مرات وهم لا يتوقفون إشفاقا أو خوفا ولكن حرصا على معلومات ينتظرونها على أحر الجمر كنا إذن مجرد أرقام ومكثنا هناك وعلى نفس الحالة 7 أشهر لن أنسى ما حييت طعم تلك الليالي الممزوج بدخان سجائرهم وروائحهم وركل أحذيتهم لقد كنت أستيقظ من غيبوبتي لأجدني وسطهم ينتظرون إعادة الكرة وكم كنت ألعن يقظتي لأنها تعيدني إليهم وتقودني إلى ما أحمد فيه عاقبتي كانوا في كل مرة قبل التعليق التعلاق يحكمون شد خرقة التوب التي تمنعني من التعرف عليهم وكم كان بودي أن أعفيهم من ذلك لقد تعلمت التعرف عليهم من روائحهم وأشكال أحذيتهم بل إن رسوم الأصابع التي تخلفها صفعاتهم حين أمر بيدي أتحسسها وأسجل الإهانة أميز يد اليوسف ويد عبد اللطيف ويد الجمل ويد الأيوبي وغيرهم وما أكثر الحالات التي استعدعت استفزازهم فتسابقوا والتقت أياديهم أمام وجهي وتشابكت الأصابع فكان ذلك مدعاة لحنقهم كان علي أن أرى ولا أرى أسمع ولا أسمع أنام ولا أنام كان علي أن أرى وأنا معصوبة العينين إذ كيف لي أن أحرم من نشاطي الطبيعي كان لابد من الإدعان لأوامر الحاج ولكني رفضت أن أسميهم حجاجاً وهم ليسوا كذلك كنت أطلب حاجتي من غير مقدمات وكانوا يرفضون الاستجابة كان يجب علي أن أنادي على الحاج وما استصغت ذلك فكلفني عنادي هذا دروساً غالية في الصفع والتنكيل والإهانة Je vais m'arrêter là parce que c'est trop dur. Merci beaucoup, Fatna, pour cette lecture que vous avez partagée avec nous de cette terrible expérience et aussi pour avoir eu le courage de vous confronter de nouveau à une expérience, une mémoire traumatique insupportable. Et je pense que le chemin que vous avez fait de transformer cette expérience traumatique à travers la dénonce et l'aide aux autres personnes vous ont donné aussi un grand courage. Oui. Et si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour cette lecture, pour votre mémoire. Je me sens, je voudrais pas trop mélanger, nous mélanger dans votre intimité, dans ces moments. Et si vous voulez, on pourrait parler de votre expérience avec actuelle, si vous voulez passer de ce sujet. Oui, oui. Et aussi, j'aimerais vous demander si vous pensez que votre expérience, qui était unique au Maroc, pas seulement à ce moment, parce qu'il y avait des autres femmes qui étaient aussi emprisonnées, torturées, mais qui n'ont jamais parlé, parce qu'elles sont tombées dans le silence par la peur ou par le fait qu'elles ne pouvaient pas se confronter à une mémoire traumatique, aussi par la vergogne, je pense. Et aujourd'hui, heureusement, avec l'effort et l'expérience des femmes comme vous, heureusement, on a plus cette expérience au Maroc. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre travail dans les prisons actuellement, avec les femmes qui sont emprisonnées, pas par des motifs politiques. Et quel genre de femmes sont celles-là et quel est votre travail ? Merci d'abord de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de renouer avec l'Espagne. Je voudrais rendre hommage à une dame qui est décédée, qui est Fatem El-Mernissi, que l'Espagne connaît très bien, parce que mes premiers pas après la liberté,
ou mes premiers pas vers l'écriture, ou cette mémoire, je l'ai héritée des Espagnols. Le fait d'écrire mon expérience, c'était, j'étais initiée à cette expérience par un ex-détenu politique qui est Mohamed Srifi, qui était incarcéré avant moi. Et comme il est l'enfant d'une mère espagnole, qu'il habite à Tanger, qu'il est en relation avec la littérature espagnole, il avait beaucoup lu sur ça et il m'avait donné des livres sur des femmes qui ont écrit sur l'expérience espagnole. Et je me rappelle avoir lu sur la Passionaria. Et ce n'est que dernièrement, avec cette liaison, parce que j'avais oublié ce que j'ai lu. Je savais que j'avais cette mémoire, que j'avais lu certaines expériences de femmes espagnoles, mais j'avais oublié les livres. Et c'est juste avec ce retour et cette invitation que j'ai repris, cette expérience et j'ai revu et j'ai appelé le monsieur et il s'est bien rappelé notre entretien sur ça et comment il nous disait qu'il fallait lire sur d'autres expériences, d'autres femmes qui étaient détenues politiques. Un autre élément avec l'Espagne, ça c'est les premiers pas vers l'écriture, mais les premiers pas vers l'extérieur. C'est-à-dire quand j'ai eu mon passeport, parce que j'ai passé une année avant d'avoir mon passeport, une année de démarche pour avoir mon passeport, après des années de libération. Donc, quand j'ai eu mon passeport, Fatema Mernissi m'a envoyée à sa place à Tolède, à la Castilla de la Mancha, pour parler des femmes et de l'islam. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient inscrites à la bibliothèque, qui avaient lu ces livres et qui voulaient discuter avec elles. Et elles disaient, il y a une nouvelle génération qui doit vous parler de cette question. Et je suis venue et j'étais étonnée en rentrant dans la salle de voir que c'était des femmes âgées et que c'était des femmes qui avaient lu des livres de Fatema Mernissi. J'ai pleuré avant d'intervenir parce que j'ai dit, les femmes à votre âge, dans mon pays, sont des femmes analphabètes et je ne pourrai jamais communiquer avec elles. Et j'aurais aimé que les femmes dans mon pays soient lettrées, puissent comprendre et que je puisse dialoguer avec elles parce que mon combat dans mon pays, c'est un autre combat. C'est un combat pour l'alphabétisation, pour la conscientisation. Nous sommes encore loin de tout ça. Donc, j'ai un rapport avec la question de la mémoire et la question des femmes et la mémoire de la femme en Espagne. Après, maintenant, cette écriture. D'abord, pourquoi cette écriture? Pourquoi j'ai publié les livres? Parce qu'à un certain moment, dans les années 90, il y a eu une ouverture au Maroc, une émergence de droits humains, une émergence d'associations défendant les droits humains. Et parmi ces associations, il y avait une association des victimes de la torture, des ex-détenus politiques. Et ce cadre-là a permis une écriture. Les gens ont commencé à écrire, à témoigner. Il y a eu plusieurs livres, le livre de Marzouki, le livre de Al-Karim Rice. Beaucoup de disparus ont commencé à écrire sur leur expérience. Il y a eu des best-sellers, les livres étaient vendus. Et moi, je courais toujours voir les livres pour trouver nos noms, parce que nous avons fait partie de cette mouvance. Nous étions les premières femmes qui avaient choisi, parce que avant moi, il y avait des femmes qui étaient impliquées dans la politique, mais elles étaient toujours la sœur, l'épouse, la femme, l'amie de quelqu'un, d'un homme. Elles étaient toujours dans le cadre. Nous étions les premières femmes à se revendiquer en tant que militantes. Je me rappelle, j'ai coupé mes cheveux, on mettait des souliers qui n'étaient pas féminines pour dire aux hommes, même nos camarades, pour leur faire comprendre qu'on est là, pas en tant que femme, pas en tant que sexe, on est là en tant que militante et on a mis du temps à leur faire comprendre ça. Donc c'était tout un parcours et d'ailleurs chez le geôlier, chez les tortionnaires, ils n'ont pas accepté qu'on soit là. Donc ils nous ont traités en tant qu'hommes. Pour eux, les femmes, la femme n'a pas sa place ici et donc ils nous ont, dans leur tête, on n'existait pas en tant que femme. Et ça faisait partie aussi des méthodes de torture. Je crois qu'en Espagne, c'était la tonde, enlever les cheveux aux femmes, même les sourcils, pour exterminer leur féminité. Et ben nous, ils ont trouvé le fait de nous traiter en tant qu'hommes, de nous donner des noms d'hommes.
Donc j'ai dit, quand j'ai trouvé qu'il n'y avait nulle trace de notre passage, j'avais ce journal que j'avais écrit en prison, je l'ai publié. D'ailleurs, la première publication est sous l'encouragement de Fatema al-Marnissi, qui disait il faut publier cette mémoire, il faut parler de ces femmes qui ont été actives politiquement, parce qu'il y avait plusieurs formes de violence dans le pays. Les premiers pas vers le combat et l'égalité des femmes, c'était la question de la violence, mais conjugale et sociale, pas politique. Même les associations de femmes n'ont pas parlé de la question de la violence de l'État. Ce n'est qu'en 2004, quand Mohamed VI a mis en place l'instance Équité et Réconciliation, qui est une instance à qui il a demandé de faire un rapport sur les violations des droits humains, c'est là qu'on a parlé de la violence subie par les femmes et on a fait même une étude sur la question sur la violence subie par les femmes dans ce cadre de ces violations des droits humains. Donc, il y a mon livre qui était le premier. D'ailleurs, avant ce livre, j'avais publié un petit fascicule où il y avait une interview de Fatema Mernissi qui disait « Comment vous imaginez une détenue politique ?» Parce que c'était vraiment et c'était ça qui m'avait donné toute cette visibilité parce que on n'avait pas une idée de ce que c'est une détenue politique. Elle a fait une interview et je l'ai publiée avec d'autres textes que j'avais édités. C'était un petit truc que tout le monde appréciait, que tout le monde cherchait avec soif parce qu'il disait on ne savait pas que les femmes aussi. Après ce livre, j'ai écrit un livre sur les femmes qui étaient dans un mouvement de révolution, d'un groupe de révolutionnaires en 1973. Ces femmes, épouses, mamans, sœurs, ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Elles n'étaient pas impliquées directement, mais pendant les événements, pendant les arrestations et pendant la préparation de ce mouvement, elles étaient là. Elles participaient, elles préparaient, elles soutenaient les hommes, mais personne n'en parle. Et d'ailleurs, même les détenus politiques, leurs familles, c'était un grand soutien. C'était la force. Moi, je le dis, même en tant que femme, c'est ma famille, c'est les visites, c'est le soutien des autres. Et en sortant, c'est ce soutien de Fatema Mernissi qui m'a poussée à rester en forme et à ne pas être autre chose que ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes, les mamans, la famille, et surtout les femmes dans la famille, elles ont joué un rôle important dans le soutien et dans la divulgation de nos idées. C'était très important. Les femmes et quelques hommes, bien sûr. Je ne vais pas prendre la parole. Je préfère que les gens me posent les questions et qu'on partage le temps. Oui, si vous voulez, nous pouvons passer à parler avec Amina. Et après, vous pouvez faire les questions aussi que vous voulez. Et je voudrais signaler seulement une chose, que l'annulation de la personnalité des femmes, depuis, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé seulement dans les prisons marocaines. Et aujourd'hui, même des associations comme Amnesty International, pas parce qu'on voulait, mais parce que le langage ne nomme pas les femmes, ignoré pendant longtemps qu'en Iran, en Turquie, en Azerbaïdjan, en Irak, en Algérie, il y a aussi les femmes dans les prisons parce qu'elles ont lutté pour leurs droits, et pas seulement leurs droits, aussi leurs droits des autres, les droits politiques, de justice. Et c'est seulement il fait quelques années, trois ans, que par la réclamation des femmes qui étaient à Amnesty, sont réclamées de changer les langages. Jusqu'à ce qu'on ne change pas les langages, oui, le silence sur les femmes sera toujours là et on va les ignorer. C'est-à-dire, l'homme est toujours, il apparaît toujours comme l'héros. L'homme peut être torturé, peut être assassiné, peut être exécuté, mais il meurt toujours comme un héros. Et son nom est toujours publié. Et elle est toujours dans l'histoire.
les femmes meurent comme inconnues, complètement, comme s'il n'y aurait pas de femmes qui sont aussi dans le même niveau, comme vous avez dit, vous vouliez être égale aux hommes, et vous vous êtes manifesté là-bas, et vous avez subi les mêmes risques, les mêmes périls, vous étiez aussi emprisonnée, mais il y avait un silence total. Et jusqu'à qu'on n'échange pas le langage, et on introduit aussi l'égalité dans ce langage, et on nomme les femmes comme maintenant on fait cette égalité. Par exemple, en prison, en Iran, il y a une femme et il y a un homme. On dit tous les deux, mais on ne dit pas il y a deux hommes et une femme est disparue, une femme est victime et une femme est toujours violée, comme si les femmes nous serions les victimes et pas les sujets aussi du pouvoir et les sujets de décisions politiques. Et ça, c'est très important que les femmes, on était toujours nommées Rachid. On était toujours silencieux et pas seulement dans le cas des Fatna. C'était une technique très archaïque qui arrive jusqu'ici et on ne se rend pas compte. Et c'est partout, dans les télévisions, même dans les associations, même, c'est partout. Et il faut lutter aussi pour donner un langage. Et bon, je crois que c'est un sujet très intéressant aussi. Comment se sent une femme qui est disparue, qui est nommée Rachid? On peut parler plus tard. Oui. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Amina Benbouchta. Elle vit et travaille entre Paris et Casablanca. Elle est une artiste plastique visuelle. Elle a étudié, elle a fait les études d'Orient. J'ai la biographie en castellan, je traduis. Elle a fait l'anthropologie dans l'Université McGill à Montréal. Et elle a fait plusieurs ateliers de dessin, lithographie et gravure à Paris. Et une ville dans laquelle elle a travaillé dans l'École nationale des Beaux-Arts entre les années 1988 et 1990. Elle a été aussi la directrice du magasin Les Alignés dans les années 90. Et en 2005, elle a fondé le collectif 212, une organisation dédiée à défendre et promouvoir l'émergence de l'art contemporain au Maroc. Le travail d'Amina est assez récent dans l'exploration des limites de la peinture. Elle transforme les concepts, les observations sur l'image, les sculptures et l'installation. Et elle se rend compte aussi à partir d'une analyse de l'art, de la complexe structure sociale de la vie contemporaine et aussi de la mémoire et de la vie des femmes. Et son travail a été présenté dans la Biennale de Cairo, l'Institut français de Casablanca, et dans le Musée national des femmes et des arts de Washington, et Biennale d'Alexandrie, Musée de Marrakech, Casa Arabe Madrid, Biennale de Lyon, etc. Et merci beaucoup, Amina, pour être avec nous. Et Amina, elle a une œuvre splendide, un travail dans l'exposition qui est sous le titre Piège à loupe, duquel j'aimerais beaucoup que tu nous parles maintenant. Quelle était ta motivation pour construire, pour produire cette pièce à loupe? Et quelle est la symbolisation dans laquelle tu as travaillé? Oui, bien sûr, je vais en parler avec plaisir, Piedad, parce que c'est une pièce que j'aime beaucoup, parce que j'estime qu'une œuvre doit vraiment avoir plusieurs niveaux de sens, et c'est ce qui se passe avec cette pièce. Elle est à la fois très intime et en même temps très universelle. Je me suis beaucoup attachée à cette imagerie, à cette image de l'invisibilité des femmes. Donc cette pièce, sans montrer une femme, parle des femmes.
C'est un objet intelligent, on va dire. C'est comme des lunettes intelligentes qui permettent d'accéder à plusieurs sens. J'ai pris deux objets qui viennent de deux mondes complètement différents. En fait, il y a un objet qui est extrêmement féminin et qui est la base d'un salon marocain, donc le lieu où les femmes marocaines vivent, évoluent, reçoivent. C'est leur cadre de vie, le salon marocain. Très représentatif d'un désir de luxe, d'un Orient un petit peu imaginaire, orientaliste, comme on le voit dans les représentations très européanisées, finalement, de notre monde. Et il y a cet objet extrêmement masculin, qui est presque un objet proche de l'industrie, presque d'une machine de guerre, qui parle d'un tout autre monde. C'est le monde du chasseur, en fait. Donc, avec cette pièce, j'ai concentré l'idée d'un rapport victime-oppresseur, en fait. Et l'idée de la victime, bon, ça parle aussi de l'artiste, parce que l'artiste cherche à la fois à séduire et à être séduit, donc ça parle de moi, bien sûr. Mais surtout, ce rapport de violence que les sociétés exercent J'ai beaucoup lu René Girard et son travail sur le bouc émissaire. Et il semble que les sociétés, toutes, quelles qu'elles soient, pas seulement les sociétés arabo-musulmanes, ont besoin d'un bouc émissaire pour fonctionner. Il y a des rapports de violence qui s'établissent. Et j'ai constaté que les femmes sont souvent les victimes de ce système, qui est tout simplement le système patriarcal. Et la pièce cherchait à mettre ça en avant, avec cette espèce de tension. Bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a l'idée d'un cauchemar. Ça peut être un cauchemar politique. On imagine qu'on est dans un environnement agréable, mais derrière, il y a un piège. Il faut quand même se concentrer pour se rendre compte que le rêve peut se transformer en cauchemar. C'est l'idée d'une peur, une peur archaïque aussi, qui est là. Et il y a aussi... je parlais des rapports d'oppresseurs, mais dans les rapports homme-femme, bien sûr la femme est oppressée, mais il y a une autre victime, c'est l'homme aussi. Dans ces rapports de violence, il ne faut pas oublier ça. Et la peur archaïque est aussi représentée par cette œuvre, parce que ça rappelle tout à fait le vagina dentata, le vagin avec des dents, que la peur archaïque que l'homme peut avoir de la femme, en fait. Et c'est pour ça qu'il cherche tellement à la contrôler, à la surveiller. Donc ça parle des femmes, mais c'est aussi un thème universel de surveillance, surveiller et punir, contenir. Voilà, c'était ça que je voulais mettre en avant avec cette pièce. Je trouve que dans cette exposition, ce qu'on parle, on parle spécialement du pouvoir. On parle des conflits, on parle du courage des femmes qui ne sont pas des victimes, qui sont des artistes qui confrontent la réalité dans leur pays, mais on parle du pouvoir. Et je trouve que le pouvoir, les conséquences que le pouvoir a sur les personnes, sur les populations, sur les femmes, sur les territoires, sur les terres et les pays, et la question de l'exil, la question de la migration aussi, et la question de la souffrance et du trauma aussi, de la mémoire. Je trouve que cette pièce représente un symbole du pouvoir d'un côté très archaïque, mais qui aujourd'hui est encore vivante dans les dictatures, dans les monarchies, sûr. Dans les systèmes de pouvoir de toutes entreprises, etc. Mais ce que me choque, c'est que tu as donné ce pouvoir, cette tension entre le luxe, la commodité, quelque chose de confortable, et en même temps, avec l'agressivité et la violence, comme si tu aurais vu établir un rapport entre la beauté, la beauté et en même temps la violence. Tu peux nous parler et quel est le rapport avec le pouvoir avec les femmes dans ce sens? Bien sûr, ça a à voir avec tous les stéréotypes en fait qu'on a sur les femmes. C'est très important
d'être conscient de ça, parce que ces stéréotypes finissent par effacer la personnalité des femmes. Quand on parlait d'invisibilité, c'est une autre violence, c'est une autre façon de faire violence, d'effacer les personnes derrière une image. Et le fait de proposer essentiellement aux femmes de devenir quelque chose ou quelqu'un à travers le mariage, par exemple, simplement la structure donc, de la maison et leur rôle d'épouse et de mère et de n'exister que par ça, ça c'est le vrai piège. C'est quelque chose qu'on arrive à imposer de façon inconsciente. Et le fait aussi d'être un objet de désir, d'être un objet, d'être belle, d'être jolie, d'être attirante, et de n'exister que par le désir de l'homme, en fait. Ça, c'est une terrible violence aussi. Parce qu'on se rend compte que toutes les femmes, même les plus libres, pensent-elles, sont soumises à cette espèce de loi inconsciente. Je veux dire, il y a plusieurs façons d'être contrainte, mais je remarque très bien que dans les pays très européanisés, il y a d'autres façons d'obéir quand même aux diktats masculins, par la chirurgie esthétique, par cette volonté de plaire, d'accepter d'être un objet de désir, d'être un objet sexuel uniquement. Bon, ceci dit, je n'ai rien du tout contre l'amour. Moi-même, je suis très amoureuse d'un homme et je trouve que les rapports amoureux sont merveilleux. Je ne suis pas en guerre contre les hommes. Mais je tiens à dire qu'il y a une guerre non déclarée entre les hommes et les femmes et qu'il faut la rendre visible pour que ces rapports-là cessent. Et dans la plupart des sociétés, on ne se rend pas du tout compte de ça. Chacun est dans son rôle. Le monde semble être parfait. Et il faut vraiment aller vers une analyse. Donc, une œuvre, enfin, cette pièce que j'ai produite, m'a semblé avoir son importance dans ce discours-là, pour arriver à faire réfléchir. Non pas, je ne cherche pas à choquer, mais je cherche à brusquer quelque part. Il faut que l'œuvre brusque quelque chose dans la personne qui la regarde. Et comme artiste, quel est ton travail actuel ? Tu travailles avec la mémoire, avec ton corps, avec Je travaille beaucoup sur la mémoire, mais surtout dans le sens de l'effacement, justement, de la femme dans l'histoire. Je me suis rendu compte dans les généalogies des familles, par exemple, les femmes n'existent pratiquement pas. On voit bien qu'elles sont nécessaires à la construction de la famille, mais les personnages principaux sont toujours les hommes. Et je travaille énormément sur ça, que ce soit dans mes photos, dans ma peinture ou dans mes installations. J'utilise tous les médiums possibles, mais je suis dans cette thématique d'essayer de désincarner et de révéler ce système d'oppression des uns sur les autres et surtout d'effacement des personnalités. Je me rends bien compte que très peu d'entre nous peuvent citer plus de 10 femmes artistes américaines expressionnistes, par exemple. Que personne ne sait que la mère d'Yves Klein était une très grande artiste. La liste est extrêmement longue, comme je me suis appliquée à essayer d'éduquer ma fille en ce sens. Chaque fois que je cherchais des informations, j'étais vraiment stupéfaite de l'effacement réel des femmes de l'histoire. Donc, même nos jeunes filles continuent à se projeter avec les mêmes stéréotypes. C'est quelque chose qui est intégré. Le carcan est à l'intérieur de nous. Dans ma peinture, je le reprends énormément avec le thème du corset, de la crinoline, qui, bien sûr, sont des éléments pour être plus esthétiques, mais qui empêchent de bouger. On ne peut pas courir, on ne peut pas sauter avec une crinoline ou un corset. On est même étouffé. Donc c'est des moyens de bloquer les femmes. Dans d'autres pays, on les bloque par l'architecture. Les espaces des hommes et des femmes sont très séparés dans les pays musulmans. Et dans les pays européens, c'est fait d'une façon peut-être plus subtile, mais c'est tout aussi réel, comme quand on voit M. Trump qui refuse de serrer la main de Mme Merkel. Et c'est même pas qu'il refuse de serrer la main, il l'ignore. C'est comme si elle n'existe pas. Donc c'est assez impressionnant de voir ce qui se passe à tous les niveaux, à toutes les échelles, mais ça ne devient apparent que quand on fait un vrai travail systématique. Et c'est notre travail à tous. Alors la biographie, aussi dans le cas de Fatna, la biographie, c'est un chemin de revendication
de la présence, de connaissances, de autoconnaissances, et aussi de la présence de la femme, des sens. C'est votre chemin de réindication. Pour moi, ça a été une réappropriation. C'est-à-dire que cet été, quand j'ai fait cette résidence à Dar el-Kitab à Casablanca, j'ai vraiment travaillé sur mes archives familiales. Et j'ai travaillé sur des personnages féminins très forts de la culture, enfin de ma culture, comme Rabia al-Adawiya. Et j'ai amené aussi d'autres personnages comme Virginia Woolf, Louise Bourgeois. J'ai fait des confrontations entre ces personnages, bon, des confrontations symboliques, bien sûr, par les œuvres qui les représentaient, etc. J'ai créé une sorte de filiation symbolique. Je me suis inventé des nouvelles grand-mères, je me suis inventé des nouvelles arrière-grand-mères qui avaient le droit à la parole. Et c'était une façon de montrer le silence dans lequel étaient gardées les femmes des générations plus âgées, et donc, comme disait Fatna, des générations d'analphabètes, alors que c'était les hommes qui avaient accès à l'écriture. Donc, bien sûr, c'est eux qui écrivent l'histoire. Et la thématique de mon travail, ça reste donc cette histoire de chasse. Je travaille en ce moment sur le lapin, mais le lapin sous toutes ses formes, le lapin est une figure christique dans la peinture classique, c'est une figure sacrificielle, donc je suis toujours dans cette thématique du chassé et du chasseur, mais je me mets aussi en scène dans mes photos en tant que chasseuse moi-même, donc je prends les devants, je ne reste pas dans un rôle passif, mais j'essaye de mettre en scène ces rôles, ça reste des rôles, pour montrer les stéréotypes qui constituent nos façons de construire les relations. Voilà. Merci. Si vous voulez, et nous pouvons passer à poser des questions à Fatna ou à Mina. On a trop parlé, on a tout dit. Pardon ? On a trop parlé, on a tout dit. Je voudrais vous demander des questions. Prenez le microphone, me paraissait, ça, non, c'est oui. Maintenant que vous avez écrit ce livre depuis 2001, non, je crois, sont 16 ans ont passé. Maintenant, comme la situation, une fois Hassan disparu, il est mort, comment elle est un peu la situation maintenant au Maroc dans ce sens-là? Que vous avez parlé sur les activités des femmes et comment on vous voit dans les prisons actuelles à Maroc, que selon nos lectures ici, ce sont des prisons très 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 fortes, non, pour habiter, surpeuplées, avec beaucoup de manque de recours et de beaucoup de choses, non? Et la question pour l'artiste, pour Amina, on pourrait voir ce que tu fais maintenant en image de ce que tu as parlé dernièrement, sur les ces appropriations et tous les rôles de ce que vous faites maintenant dans l'art. À part de l'exposition, que c'est très intéressant, la symbologie dont tu as parlé, maintenant on pourrait voir des images de ce que tu es en train de faire. En fait, il y a une publication qui est en train d'être préparée sur ce travail de cet été. Puis j'ai d'autres publications, effectivement, où on peut voir. J'ai une autre exposition à Paris où on va voir ce travail. Ça va être en mai, si vous pouvez venir. Autrement, il faut venir au Maroc, à l'atelier. Ça serait très bien. Oui. Oui, d'accord. Super. Oui.
La situation des prisons, il n'y a aucun rapport avec ce que j'ai vécu. Ça, je peux être vraiment, je peux le dire et je n'ai pas peur de le dire. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été, ce que nous avons vécu. Nous avons vécu dans des prisons qui dataient de. Nous avons vécu dans des prisons qui. Dont la loi qui les gérait revenait aux années 57. C'était une loi qui datait de 1957 jusqu'aux années 90. Donc, tout d'abord, on a essayé de changer la loi parce que c'était dépassé. Alors, il y a eu un changement de la loi. Nous avons créé un observatoire pour l'application, pour le suivi de l'application de cette loi. Nous avons fait une visite d'à peu près la moitié des prisons du Maroc, faisant des visites. Et je dois saluer l'ambiance dans laquelle s'est passée ces visites. Ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que j'ai visité d'autres prisons. J'ai visité une prison hollandaise et j'ai visité 5 prisons américaines. Et j'ai vu la différence. Ceci dit, nous avons changé la loi. Nous avons visité, nous avons eu l'accès à tous les endroits. Nous avons fait ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais la comptabilité, c'est-à-dire nous avons demandé des comptes. Ce n'est qu'en 2011 que la Constitution permet aujourd'hui à la société civile de demander des comptes au pouvoir public. Avant, ce n'était pas permis, mais nous l'avons fait parce qu'il y avait dans les années 99 jusqu'aux années où il y a eu les événements de terrorisme à Gaza. Cette période, c'était vraiment une période d'émergence de droits humains. Il y avait une ambiance où il y avait une dynamique, mais quand les événements du terrorisme ont eu lieu, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'on va laisser ça ? Il y a eu un débat, il y a eu aussi une loi qui a été ajoutée, qui est la loi antiterroriste. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les prisons sont au top. Les prisons sont surpeuplées parce que jusqu'à aujourd'hui, la prison au Maroc ne peut pas afficher complet. Donc, elle n'a pas le droit de dire non. On emmène n'importe quel chiffre, elle est obligée. Je vais vous donner les chiffres. Par exemple, Casablanca, qui est une prison nouvelle qui a été construite dans les années 90 après la loi, avec des normes architecturales respectant les règles minima de respect des droits humains, les règles internationales des Nations Unies, est une prison qui est faite pour 4 000 et elle est toujours à 7 000. Et elle peut arriver à 9 000. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Donc, il y a un problème. Nous avons un problème pour la durée de la prévention. C'est là où nous... C'est-à-dire que les tribunaux envoient en prison. Les tribunaux n'ont pas le temps de juger, ne jugent pas rapidement les dossiers. Et donc, c'est, par exemple, la prison des mineurs. Nous avons 1 000 jeunes mineurs, 80% de ces jeunes ne sont pas condamnés et ils peuvent sortir. Ceci pose problème par rapport à la fondation Mohamed VI, parce que le roi a créé une fondation pour la réinsertion des prisonniers. C'est une fondation qui crée énormément d'ateliers. Donc, cette fondation trouve des problèmes pour mettre les gens à la formation. Maintenant, on met des gens à la formation malgré qu'ils sont des prévenus, parce que vous connaissez la loi, pour pouvoir suivre une formation, il faut que vous soyez condamné, pour qu'on sache la durée, parce qu'une formation, c'est une durée. Pour nous, la société civile, moi, dernièrement, notre association a mis en place des ateliers de développement de soi, des ateliers d'art, de théâtre, d'art plastique, de théâtre, de photo, de jeux d'échecs, plein d'ateliers. C'est-à-dire qu'on essaye d'occuper ces jeunes parce que l'oisivité, c'est l'ennemi numéro un des prisonniers. Mais on commence l'atelier avec le jeune. 2 mois, il est libéré. 1 mois, il est libéré. Donc,
on fait un autre travail, parce que nous, on travaille sur les sortants. Donc, on place les ateliers, et en sortant, on essaye de le prendre. Mais ce n'est pas facile. Donc, autre chose, le responsable. Aujourd'hui, des prisons, c'est quelqu'un qui a fait la prison avec moi. C'est un ex-détenu politique. On a fait la prison ensemble. 5 ans, on a passé 5 ans ensemble. C'est lui qui préparait la marmite pour nous, les détenus femmes, parce qu'on était une minorité, détenus politiques. On ne mangeait pas ce que la prison faisait. C'était les garçons. Et c'était lui qui nous ramenait la marmite de la bouffe. Mais je dis, ceci dit, je ne dis pas qu'il est impeccable, je ne dis pas que c'est facile. Parce que il y a le problème des mentalités, il y a le problème de surpopulation, il y a le problème de synergie entre la justice et l'application de la peine. Mais il y a une volonté. Là, je suis avec vous, ils sont au deuxième jour. Hier, c'était le premier jour, aujourd'hui le deuxième, et le troisième sera demain, des universités printanières de réinsertion. C'est-à-dire qu'il y a une synergie avec les universités, il y a une connexion avec la société civile, il y a une ambiance de vouloir bien faire. Il y a eu une pleine ouverture entre 1999 et 2004-2003. Après 2004, il y a eu une fermeture. Après 2005, il y a eu un rétrécissement. Aujourd'hui, il y a encore une ouverture. Parce que, quand je parle de ces années de terrorisme, ils ont même eu recours, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, les prisons dépendent du ministère de l'Intérieur. C'était toujours du ministère de la Justice. Nous étions les plus avancés par rapport à l'Égypte, par rapport à la Tunisie. Mais malheureusement, on est revenu en arrière. Et c'était un ancien des années de plomb qui s'en est occupé. Mais on l'a limogé dernièrement. Et on a fait recours à un autre qui a fait la prison, se disant que lui, il va pouvoir faire des choses. Et il est en train de mettre en place plein de choses, mais c'est une structure qui a un passé très lourd. Où la corruption qui est dans la société à 20%, à 40%, elle est là-bas à 1000%. Pour survivre, c'est la corruption. Et c'est difficile de faire face à cette machine. Voilà. Buenas tardes. Yo quería, por favor, que tomaras el tema de, por ejemplo, la situación de las mujeres marroquíes, un tema más de género. Ahora que estás aquí, su testimonio seguramente será más cercano. Aquí estamos siempre con el que parece que el debate está secuestrado, que siempre estamos con el mismo, con la vestimenta, el velo y, bueno. Hay una escritora feminista, Nawal Saadawi, que decía que es el país donde las abuelas eran más liberales que las nietas, ¿no? Yo he vivido en Marruecos hasta los años 90 y luego llevo aquí 27 años. Yo me acordé, no sé si eran tucupaneras, Latifa Shbebdi, y había un periódico el 8 de marzo. Era algo... Bueno, no se creía que en otro país árabe, no sé si había, pero aportó mucho a la causa en tema de género, la lucha de feminista. La pregunta que hago y hace mucha gente, yo mismo cuando voy, hay a veces parece que extranjero que soy, mucha gente que ha estado en los años 90 y que ha vuelto a ver, notan que mucho retroceso, que hay mucho retroceso, que hay mucho cambio, no es cambio, es como una manera de echar para atrás. Entonces, ahora que estás aquí, ¿no puedes explicar, por ejemplo, cómo ha podido suceder todo esto? Gracias. Nous avons deux dynamiques. Personnellement, moi, je vois qu'il y a deux dynamiques. Ce que vous dites sur nos grands-mères est très important. Mais ma grand-mère me disait, attention, quand tu rentres, tu ne dois pas lever les yeux devant les hommes. Tu dois toujours avoir les yeux baissés. Et on m'a bandé les yeux pendant 7 mois.
parce que j'ai dit que la situation des Marocains doit changer. Mais après, je me suis rendu compte que la situation des Marocains doit changer, mais la situation de la femme est encore pire, et il faut la changer, et il faut la changer de façon spécifique. C'est-à-dire, pas dans les partis, pas dans les grandes structures, il faut qu'il y ait des structures spécifiques, et c'est dans les associations de femmes que beaucoup de travail a été fait. Nous avons régressé, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons une majorité de femmes voilées, mais pour moi, ce n'est pas un voile idéologique. Et pour moi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un danger. Oui, c'est un danger. Et nous devons travailler sur ça aussi. Parce que nous avons fait le choix de la démocratie. Nous nous sommes confiés aux urnes. Et les urnes ont ramené les islamistes. Et les islamistes ont eu leur poids. Et pendant notre absence, parce que les islamistes font le travail que nous avons fait, nous, les marxistes. Parce que nous, les marxistes, les gens de la gauche, les révolutionnaires, la génération des années 70, le 8 mars, la revue, la célèbre revue du 8 mars, où les femmes vraiment ont écrit de très bons articles, se sont mobilisées. C'était la mouvance et l'émergence des droits humains. Mais nous avons laissé le terrain vide. Et les islamistes ont travaillé pendant que nous étions absents. Ils ont travaillé. Il n'y avait pas de problème. Je pouvais ne pas jeûner devant mes parents. Je pouvais dire à mes parents, je suis athée. Mon père est traditionnel et un homme qui respecte la religion. En plus de ça, il était maître. Il était le responsable de la religion dans le petit patelin où nous avons été amenés d'une région à côté de Marrakech pour aller dans la Chaouia pour faire la promotion des valeurs de l'islam. Mon père, c'était ça. Mais j'étais marxiste. Il ne m'a jamais jeté dehors. On avait toujours des discussions. Et il disait toujours en arabe, Allah yhdik, c'est-à-dire que Dieu va te donner la possibilité de changer d'idée. C'est tout. Il était très tolérant et on n'avait pas de problème. Ceux qui jeûnaient étaient là, ceux qui ne jeûnaient pas étaient là. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on a peur quand on ne jeûne pas. On doit se cacher. Aujourd'hui, quand on fume, on doit se cacher. Quand on n'est pas vierge, on a peur. Mais c'est des choses que les femmes se sont qu'une minorité de femmes qui devient aujourd'hui une majorité s'approprie. Et ce n'est pas lié à la culture. Des femmes instruites aujourd'hui parlent de virginité. Des femmes instruites aujourd'hui parlent de mariage. J'étais dans une conférence et des jeunes filles dans une grande école où les parents payent cher pour que leurs filles deviennent des femmes vraiment capables. Et les filles m'ont dit, mais comment tu as fait pour te marier? Tu as eu cette expérience? J'ai dit, je me suis mariée deux fois. Ce n'est pas ça qui compte. Et j'ai dit, ça n'a jamais été le souci de mes parents. Et sincèrement, même dans une ambiance traditionnelle, personnellement, je n'ai pas été préparée au mariage. Et si tu penses comme ça, tu vas dire qu'on a régressé. Mais moi, je dis non, on n'a pas régressé. Aujourd'hui, on a le choix de faire le voile, de ne pas le faire. Aujourd'hui, on a le choix de faire part de la majorité ou de la minorité. Nous subissons le fait d'être minoritaires, mais nous avons ce courage. Il faut avoir ce courage. Et il faut aussi avoir... Moi, je dis que tout passe par la politique. Tout passe par les pouvoirs de décision. Et c'est pour ça que les femmes militent pour être dans les pouvoirs de décision. Parce que les islamistes, quand ils ont été dans le pouvoir de décision, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont tardé des lois que nous avons préparées sur le harcèlement. Ils les retardent. Ils ne les font pas sortir. C'est le pouvoir des urnes. Voilà. J'aimerais aussi demander à Amina comment tu vois cette question aussi, si tu peux répondre. Le problème, c'est que je n'ai pas la traduction et je n'ai pas entendu la question. Je pense que j'ai compris un petit peu de quoi il s'agit par la réponse de Fatna. Mais donc, je pense que la question, c'était sur le statut de la femme maintenant.
Oui, oui, si. S'il y a une évolution. Il y a ce livre de Nawal Sada, oui, où elle parle de son enfance. Elle parle de comment sa grand-mère l'a donné la force. Et comment ces femmes étaient fortes, étaient souveraines. Et bon, ils disent aussi que si aujourd'hui, on peut détecter, on voit une régression dans le pouvoir des femmes, c'est ça? Et j'aimerais savoir aussi, parce que tu es une autre génération différente de Fatna, avec des autres expériences au Maroc, tu es une artiste. Et aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est dans l'exposition que la plupart de ces artistes sont dans le milieu de plusieurs cultures. Amina, ta mère est française, ton père est ton père marocain. Alors tu as un autre regard, qui c'est très intéressant. Comme la plupart des artistes de l'exposition se sont exiliés, où leurs parents se sont exiliés et sont nés dans des autres pays, bien arabes, musulmans, ou bien des pays occidentaux, chrétiens, avec des autres cultures, des autres langues. Je crois que ça vous a donné aussi, ça ne vous a pas fait faible. C'est une autre expérience complètement différente de celle de Fatna, mais ça produit aussi... tous ces conflits sociaux, politiques, exil, tous ces borderline, hors des frontières, hors des identités aussi, vous a donné une force spéciale. J'aimerais savoir aussi comment tu réponds à cette question, si tu penses qu'aujourd'hui il y a une régression, si tu vis cette régression, ou quelle est ton expérience? C'est-à-dire que je suis un petit peu d'accord avec Fatna que la société de mes parents était beaucoup plus tolérante. C'est vrai qu'on est rentré dans un monde maintenant où les factions sont dressées les unes contre les autres, mais je constate que c'est mondial. C'est parce que aussi les valeurs du monde occidental et les valeurs du monde arabo-musulman sont en train de se faire face et de se crisper. On n'a pas l'impression que les uns et les autres cherchent un arrangement, on va dire, ou un regard différent sur les uns, sur les autres. Au contraire, les stéréotypes, je trouve, s'accentuent. Alors, ça ne facilite pas les rapports. Et pour moi, c'est très difficile parce que, oui, je suis marocaine, mais j'ai l'air d'une Française. En même temps, je me sens profondément marocaine, mais dans la rue, personne ne pense que je suis une marocaine. Donc, je suis dans mon propre pays, on me traite un peu comme une étrangère. Donc, je peux constater que les étrangers sont reçus très gentiment au Maroc, parce que ça ne pose pas un problème. Je n'ai pas droit à de l'agressivité, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que cette frontière géographique du fait d'être d'un couple mixte, elle est à l'intérieur de moi, et c'est un constant va-et-vient entre des valeurs qui sont parfois différentes. Ce que je constate, c'est qu'une grosse partie de la population au Maroc, maintenant, se tourne davantage vers le monde arabe comme référent, comme identité, que vers le monde occidental. Mais la question du voile a été vraiment un acte crucial. À un moment donné, en France, une jeune fille arrivait avec un voile, et on lui a interdit l'entrée de l'école. Je pense que c'était la chose la plus stupide que les Français aient pu faire, parce qu'à partir de là, le voile est devenu un problème, qui n'était pas avant. Donc maintenant, cette idée d'aller vers le voile, pour la plupart des femmes musulmanes, ce n'est pas un signe de soumission, au contraire, c'est un signe identitaire et d'assertion de soi, etc., de dire, nous aussi, on a notre culture, on a nos idées, Donc évidemment, ça peut aller vers des dérives, des obsessions qui ne sont certainement pas les miennes, mais que je ne peux pas condamner non plus, qui correspondent à d'autres façons de penser, de se dire que les sociétés occidentales ont perdu le sens de la famille, donc d'où les valeurs de la virginité, des tas de choses qui me sont complètement étrangères. Mais je comprends aussi que les gens se réfugient vers ça parce qu'ils cherchent des repères. Mais on ne doit pas oublier qu'au Maroc, de mon expérience, la société est quand même très diverse. On n'a pas affaire à une seule figure de femme. Elles sont multiples. Et les femmes au Maroc sont très fortes. On ne doit pas oublier qu'elles ont accès à la vie professionnelle, que leurs biens sont acquis à elles et que personne ne peut leur prendre. C'est quand même dans la loi.
Donc ça, c'est quand même des choses très importantes. Les femmes sont médecins, avocats, notaires. Elles peuvent prendre le pouvoir. Si elles ont le diplôme et la personnalité, c'est une chose qui est acceptée. Maintenant, je suis tout à fait consciente que le système fait tout pour qu'elles restent à leur place. Ça, c'est vrai aussi. Mais je voulais juste rajouter une chose que je trouve intéressante, c'est qu'en tant que femme artiste, je n'ai jamais, par contre, rencontré de propos sexistes sur ce sujet-là. C'était très facile d'être une femme artiste au Maroc, en fait. Voilà, je tiens à le dire. Je crois que c'est pas ma spécialité, mais je découvre de plus en plus, et pour moi c'est très important aussi d'intégrer cette approche. Je considère que le message passe par la culture, et donc l'art fait partie de la culture, et c'est, moi je trouve cette pièce qu'elle a faite très forte, très symbolique, et je pense qu'elle passe mieux que le message direct. Et c'est très pédagogique dans un travail de changement. C'est pour ça que je considère que Amina a une tâche très importante dans le changement. Elle a un rôle important à fournir, et elle doit jouer ce rôle de cet outil pédagogique qu'elle détient, et qu'elle peut, parce qu'elle peut le produire sous plusieurs formes, sous toutes. D'ailleurs, c'est avec l'art qu'on a pu, dans les moments difficiles, parler de ce que nous avons vécu, de ce que nous voulons faire passer, etc. Avec la littérature, avec l'art. Et je comprends qu'elle dit que sous cet angle, on ne peut pas subir d'eux. Et donc, ce serait bien qu'on véhicule le message de l'égalité, le message de changement, le message de l'oppression, le message de la discrimination, à travers des œuvres artistiques. Ça serait beaucoup plus important que les messages directs. Bien sûr. Je pense aussi que c'est une œuvre qui a un message qui peut être compris dans toutes les langues, dans tous les pays. Je ne sais pas si au Maroc... C'est universel aussi. Au Maroc, aussi. C'est un langage universel. Ouais. Ce n'est pas une question d'identité ou de langue, mais... Et pensez-vous qu'au Maroc, les gens, même les gens analphabètes, peuvent comprendre tout de suite ces messages du pouvoir, de la soumission, du péril, de la domesticité, la beauté, de la violence? Moi, j'ai vu chez Fatima Mrissi, elle avait beaucoup travaillé avec les tisseuses sur les symboles qu'elles utilisent dans le tissage. Bon, j'ai dit, ce n'est pas mon domaine, mais... chez les berbères, dans les tapis et tout, il y a plusieurs signes qui sont vraiment révélateurs de leur culture, de leur vécu. Ce sont des champs qui ne sont pas investis et qu'il faut investir, parce que je considère que ça peut véhiculer beaucoup de... Mais pour revenir à cette question d'islam, de revendre, je crois que c'est un tournant dans l'histoire. C'est pas spécifiquement marocain, en Tunisie aussi. Et la Tunisie, nous considérons que la Tunisie était beaucoup plus avancée que nous. D'ailleurs, dans l'expérience des centres d'écoute, et c'était Fatima Mernissi qui avait ramené les femmes algériennes, tunisiennes et marocaines autour d'une table et leur a dit « Allez, travaillez ensemble », parce que les premiers centres d'écoute étaient en Tunisie. Mais après, l'évolution sur la question de la violence était beaucoup plus importante au Maroc qu'en Tunisie. Et aujourd'hui, même l'expérience de justice transitionnelle est copiée sur le Maroc, c'est-à-dire elle est transférée du Maroc en Tunisie. Comme quoi, j'ai l'impression que c'est un tournant de l'histoire qui est en train de se manifester, et j'espère que ça va être juste un courant et ça va passer. J'espère. Et pourquoi sont les femmes aujourd'hui dans les prisons au Maroc? Quelles sont les femmes qui sont dans les prisons? Parce que ce sont par des questions politiques? Non. Pourquoi les femmes vont une femme en prison? Il y avait une première, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la...
comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a des structures de suivi des droits humains. Il y a les ONG, mais il y a une institution nationale, étatique, qui est le CNDH, le Conseil national des droits humains. Avant, c'était un conseil consultatif, c'est-à-dire qu'il donnait un avis sur la situation des droits humains. Aujourd'hui, il est régi par les principes de Paris, et donc il demande des comptes. Il a fait des rapports sur la situation des prisons, il a considéré que les femmes étaient très maltraitées de par la question du genre, parce qu'elles ne sont que dans des ailes, parce qu'elles sont une minorité, alors elles sont ignorées. Mais il y a eu une première, qui est une étude sur le genre, comment les femmes sont traitées dans les prisons. Maintenant, de mon temps et d'aujourd'hui, quand j'étais en prison, il y avait des femmes plus âgées qui étaient en prison. C'était sur la drogue, la prostitution, quelques délits de criminalité. Maintenant, c'est autre chose. Et c'était la plupart des temps, c'était des femmes analphabètes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'école envoie à la prison. Vous avez des jeunes qui ont quitté l'école, qui se droguent, qui volent. Donc, parmi ces jeunes, il y a une population féminine. Mais le taux de pourcentage pour la population carcérale féminine au Maroc, c'est 2%. C'est mondial, 3%. Je pense que le Mexique, c'est le plus élevé. Mais mondialement, la population féminine, c'est toujours 2 à 3%. Au Maroc, c'est 2%. Mais n'empêche que cette population est discriminée, elle a des besoins. Et je reviens d'une activité qu'on avait organisée. On a rassemblé les associations de femmes pour leur dire « Ces femmes aussi devraient faire partie de votre souci. Vous devez vous en occuper. » Parce que, comme j'ai dit, les mentalités, devant un juge ou une juge femme. Un juge, quand il est devant une femme, il y a l'éthique aussi. Il n'y a pas que la loi, il y a l'éthique. La femme ne doit pas fumer, la femme ne doit pas se prostituer, la femme ne doit pas être dans... Donc, il rajoute, il est sévère dans ce jugement. Ça, je viens de le découvrir, malgré mon processus, malgré mon cursus, je viens de découvrir que... Bon, je sais que les femmes aussi sont discriminatrices envers les femmes. Par exemple, quand une femme est violée, la première réaction de la femme juge avec la mère et la fille, elle dit « Mais votre fille, qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-là ?» Ça, c'est général. La femme, quand elle est violée, c'est elle qui est la cause. Et donc, les femmes juges aussi avaient ce jugement. On avait fait un travail pour sensibiliser les femmes juges, pour dire que c'est un travail qui... C'est un processus. La démocratie, le changement, c'est un processus. Mais je dis comme on l'a fait et comme vous l'avez fait, la préservation se fait d'abord par un état de droit. Il faut qu'il y ait des lois. Et après, il faut faire le travail sur les mentalités et il faut mettre en place les structures d'application de ces lois et les structures de surveillance de ces lois. Alors, au Maroc, la situation est complètement différente aujourd'hui de la situation politique dans des pays arabes musulmans comme l'Iran, par exemple, où les femmes vont en prison par des questions de révolte idéologique, politique, des revendications, ou des autres pays. Avez-vous comme association un rapport avec des autres pays? Ou travaillez-vous seulement au Maroc? En tant qu'association sur les prisons, nous travaillons juste au Maroc. Mm-hmm. Mais les autres associations, elles travaillent en synergie avec tout le monde. Et moi, je suis dans une structure où nous sommes, sur l'expérience que j'ai vécue, parce que j'ai aussi coordonné un programme après l'instance équité-réconciliation, il faut du temps pour expliquer tout ça, mais sur la justice transitionnelle, c'est-à-dire sur l'expérience qu'a fait le Maroc vis-à-vis de son passé de violation des droits humains. Le Maroc a fait un rapport, a fait des auditions publiques, a essayé d'indemniser les victimes. Il a fait une expérience qui est une expérience humaine. Elle a des défauts, elle a des avantages, et elle est aujourd'hui étudiée dans les pays... le Yémen,
avec ce problème. La Syrie, nous sommes dans cette coalition, le Yémen, la Syrie, l'Irak, et c'est dans cette coalition que j'ai connu ce qui se passe en Irak. La Tunisie, l'Algérie, donc tous les pays qui sont en mouvement, qui ont connu le printemps arabe, et d'autres pays, et des pays de l'Amérique latine. Et il y a un échange et une synergie sur ces expériences. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré des femmes irakiennes. J'en ai parlé à Hélène, parce que j'étais très, très, très impressionnée par le fait qu'il y avait une représentante de ces femmes qui était avec le voile irakien. Et c'est une grande femme, c'est une femme très forte. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous parle. Qu'elle fait, parce qu'en Irak, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs formes de religion, plusieurs représentations, donc c'est plus que le Liban. C'est 300 presque ethnies. Donc avec la guerre, ça devient beaucoup plus difficile, et c'est les femmes qui subissent les pires résultats de ces guerres. Et cette femme, elle a montré des vidéos où elle va dans les mosquées, elle va dans les églises, et elle a ses stratégies. C'est ça qui était important pour moi. Elle se met dans la stratégie d'une femme vraiment soumise pour faire passer le message. Et elle fait alphabétiser les femmes dans la mosquée, les hommes. Elle est acceptée quand elle fait la stratégie d'implication avec les différents, chacun, et elle va aux Nations Unies, c'est-à-dire elle fait du plaidoyer en tant que femme moderne, citoyenne et tout, mais quand elle rentre dans chaque ethnie, elle fait une stratégie pour pouvoir faire passer le message. Et Dieu sait combien cette femme, elle fait d'efforts pour faire sortir d'autres femmes de leur vécu. Il y a des femmes extraordinaires, sincèrement, partout dans le monde, nous sommes des femmes extraordinaires et nous devons être fiers d'être femmes, sincèrement. Chaque expérience, quand tu vas dans une expérience, chacune te donne envie de connaître une autre et te rend fière. Oui, je suis d'accord qu'il y a ce discours de la presse, des moyens de communication qui nous présente comme des victimes, mais on ne parle pas du pouvoir des femmes. Et Fatna, c'est un exemple de cette vie magnifique d'une femme qui avait le pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir, je suis une femme très faible, très sensible. Oui, bon, mais tu as survécu la prison, la torture. Tu es une résistante politique qui continue à ton âge avec les idées de défense de la justice et de l'égalité et de la revendication de la dignité des autres. Et ça, c'est une force immense. Et merci beaucoup pour nous montrer ce pouvoir, les personnaliser. Et merci beaucoup à Amina aussi, pour ton expérience comme femme ou artiste et la façon dont tu peux symboliser ce pouvoir aussi. Et si vous voulez faire une autre question, sinon nous allons finir aujourd'hui pour ce soir. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et merci aux traductrices qui nous ont supportés.